Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour découvrir la woodbox du mois d'octobre. Alors désolé pour la lumière, mais il y a beaucoup de soleil et du coup c'est pas facile de filmer finalement. Donc je l'ai reçu, par contre la boîte est complètement défoncée, vous voyez, même arrachée. Donc pour des soucis d'économie, ils n'envoient plus dans des cartons d'emballage, voilà, ils envoient directement la box telle qu'elle. De toute façon le design est à l'intérieur, mais là vu l'état de la box et vu qu'elle est arrachée, je la garderai pas, c'est dommage, franchement. De toute façon je créerai à Woodbox pour l'ordi. Donc c'est parti. À part ça, bon, après ce qui importe le plus quand même c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir ensemble tout de suite. Donc le thème était Fear. Et ça promet d'ailleurs, quand je le vois, je vais vous montrer tout de suite le carton. Voilà, on voit la façade d'une maison qui me fait penser tout de suite à Amityville. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça me fait penser un peu à Amityville. Peut-être que je me trompe, mais bon, en tout cas, voilà, ça me faisait penser à ça. Première chose que nous avons, c'est une petite carte. Voilà, une petite carte en bois, comme ça. Enfin, un petit poster, une petite affiche en bois avec Checky dessus. Voilà, toute sympa. Ensuite, nous avons un pins que j'adore. C'est tiré d'un jeu que j'ai sur PS4, c'est Little Nightmare, si je me souviens bien. C'est une petite fille, en fait, qui avance dans un univers un petit peu très sombre, très glauque, très... Ben rien que d'y repenser d'ailleurs, c'est très angoissant, très pesant comme atmosphère. Je trouve qu'ils ont très bien réussi ce jeu pour cette atmosphère, justement. En plus, il n'y a pas de parole, mais l'ambiance, la musique, tout. Franchement, ça met beaucoup d'angoisse. Donc j'adore, je ne l'ai d'ailleurs pas fini ce jeu, mais il faut absolument que je le finisse. C'est le t-shirt, il n'est pas emballé. Alors... Si, alors ça ne doit pas être un t-shirt. Bah si, c'est le t-shirt. Bah il y a une autre chose, un autre vêtement qui doit t'emballer. Donc nous avons un t-shirt. Oh, j'aime trop. Donc voilà de la des films Saw. Donc nous avons le fameux personnage I want to play a game. Oui, j'adore. Donc celui-là, il est vraiment trop beau. Ouais. Moi qui suis une grande fan de ces films-là, j'ai adoré les tout premiers, les derniers, peut-être un petit peu moins au bout d'un moment quand même, mais j'ai adoré cette psychologie, etc. Franchement, j'ai adoré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il est vraiment top. Vraiment, vraiment top. J'adore. Donc du coup, on a quelque chose d'emballé. Donc c'est Marvel, hein, édition Marvel, hein, avec l'autocollant. Et donc nous avons, ça doit être un espèce de châle avec Venom dessus, je pense. Oui, je pense que ça doit être un espèce de foulard comme ça avec Venom. Mais moi je trouve super bien. Après, ça se voit pas forcément que ça soit dessus à... Mais il est franchement pas mal. Il est masculin tout en étant... Il peut être aussi très féminin. Bah voilà. We are Venom. Et bah ouais, je trouve ça hyper sympa. Et puis en plus, c'est de saison. Donc ça, c'est top. Et dernière chose, du coup, nous avons une pop qui... la boîte a été un petit peu broyée. Trop beau. It. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc... Comme d'habitude, je vous le sortirai, je vous montrerai des photos un petit peu plus, ou des images en tout cas un petit peu plus précises. Mais il est super beau, j'adore aussi. Voilà, c'est vraiment ces deux genres de films que j'adore. De toute façon, tous les thèmes-là, hein, que ça soit, que ça soit avec lui, je l'aurais bien aimé en pop aussi, ou avec lui, franchement, ça, ça a bercé plus ou moins mon adolescence. J'ai beaucoup aimé le nouveau qu'ils ont fait, qu'ils ont ressorti au cinéma, et j'attends d'ailleurs la suite avec impatience. Donc, c'est chouette. Voici la boîte. Alors en fait pas du tout, c'est pas du tout Amityville, c'est un manoir, voilà, un manoir. Bon voilà, après de toute façon vu l'état de la boîte je la garderai pas, mais voici donc le contenu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas bah, moi j'ai adoré le contenu. C'est vrai que le mois dernier j'avais été plutôt déçue, mais là ce mois-ci j'adore tout, à part peut-être la petite carte, parce que je sais pas finalement trop quoi en faire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le pins, c'est un de mes jeux préférés, le t-shirt est trop beau, la pop est trop chouette, donc voilà. En tout cas, et le foulard est classe.
Donc voilà, en tout cas si cette box vous intéresse, j'ai un code promo pour vous de 5€. Donc voilà, si elle vous intéresse, je vous mets juste en dessous de la vidéo, en barre d'informations, le code promo qui peut vous avoir une réduction de 5€. Donc au lieu de 24,99€, elle vous revient à 19,99€, qui là vaut vraiment le coup. Voilà, si vous l'avez jamais testé, n'hésitez pas à utiliser ce code de parrainage. Et puis voilà, je m'efforce de regarder pour une autre box geek. En tout cas, si vous avez des idées de box geek que je pourrais prendre, mettez-moi en commentaire voilà ce que je pourrais prendre, parce qu'effectivement j'ai pas eu trop le temps de tout regarder et d'approfondir un petit peu le sujet, mais c'est vrai que du coup je trouvais que c'était plutôt sympa de faire une petite battle geek. Voilà, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi à ma chaîne, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.